Je suis en compagnie d'éleveurs sartois heureux, heureux comme tout. Vous voyez ici des grands sourires sur les visages car ici le lot 81 a été adjugé 180 000 euros. J'imagine que la journée ne peut pas être mieux là quand on vend une pouliche 180 000 euros. C'est génial, on pensait bien vendre, on a eu beaucoup de visites, enfin Anna a eu beaucoup de visites de Coulons. On a eu 4 quêtes repositories, veto, machin, non c'est bien. Et ce qui est fantastique, c'est pendant le même temps, on ne pouvait pas se diviser en deux. On a gagné aussi à Deauville, avec Priscilla. Christophe Lotou, bravo. Isabelle, toi qui l'as vu naître, qui l'as vu grandir, est-ce que tu as tout de suite senti qu'elle était un petit peu spéciale, cette pouliche? On a toujours beaucoup aimé cette pouliche. Et donc, elle nous fait plaisir. Elle nous fait plaisir aujourd'hui. Très plaisir, même. Tu m'étonnes, très plaisir. En fait, c'est notre top price en vente. Oui, parce qu'avant, le Haras des Marais a présenté des chevaux ici en vente. Là, vous avez confié votre pouliche estimée à Anna Schönström. Comment ça s'est fait un peu la liaison? J'ai fait un peu, enfin, visuellement, je regardais ce qui se présentait aux ventes quand nous présentions, enfin, préparions et présentions nos chevaux nous-mêmes. J'ai toujours vu que, enfin, pour moi, Anna est une des meilleures pour préparer les chevaux. Voilà. Le travail a été bien fait, hein. Anna qui vient de Scandinavie et l'acheteur, il vient également de Scandinavie, Morten Buskop. Est-ce que tu peux nous annoncer des petites indiscrétions sur le futur de ta pouliche? Honnêtement, non, je sais pas. C'est soit elle reste en France à l'entraînement ou alors elle ira en Angleterre, on sait pas encore. Peut-être chez Pierre Brandt en France? Je sais pas, honnêtement, je sais pas. On voit juste derrière toi l'update, t'y tenais à cet update. Ouais, toi, t'es fort pour dénicher un petit peu des juments de derrière les fagots, très bien nés, notamment en Allemagne. Dis-nous un peu comment t'as déniché cette soudaineté. On a un ami de longue date, ça fait 25 ans qu'on connaît Pascal, qui est un passionné de pédigrés, de croisement et tout ça. Et on achète 90% des juments via son intermédiaire. Voilà. Tu avais également déniché trois casseurs de Torca Tortasso, c'est ça? Et c'est lui aussi qui nous l'a fait avoir, enfin, via son aide. Voilà. Un petit mot sur Galloway, les talons miracles, Isabelle, ça vient de toi l'idée de Galloway ou pas? On a pu acquérir une part grâce à Monsieur Pariente, voilà, qui nous en a fait profiter, voilà, qui nous a proposé nous le lancer avec lui. Et donc sur cette pouliche, on a fait un fold sharing avec Monsieur Pariente. Donc on a payé, j'ai payé la moitié de la saillie et enfin voilà. Mais lui, voilà, c'est les fold sharing de Monsieur Pariente à Radcolville, c'est on paye la moitié de la saillie et les moitiés éleveurs. Voilà. Et ça se goupille bien et voilà. On espère le meilleur pour cette pouliche. C'est bon.